Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Ce soir, maintenant, nous allons terminer le tournage sur Soma. Soma qui est une incroyable découverte, qui est probablement pour moi un des jeux horrifiques les plus surprenants, tant dans la trame narrative que dans les éléments explicatifs ou encore immersifs. Ok. C'est pas ce qui nous attend là. On a changé de corps depuis. Et quand on a changé de corps, on a commis l'irréparable, ou plutôt l'irréversible. Car quand nous avons changé de corps, pour pouvoir en bénéficier d'un qui puisse résister à la pression des profondeurs, on a fait le choix de laisser notre ancien corps, certes en sommeil, mais vivant. On aurait pu le déconnecter. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a surtout fait une copie. Welcome to Tau. What's left of it? Are you guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Oui, see you soon dans l'au-delà, hein. Je la connais, hein. État des combinaisons. Vinyle, vinyle, vinyle. Ah, moi aussi j'adore la musique. Ok. Je reconnais certains noms. Hein. Omicron. Sa queen. Ça va, pardon, je me suis excusé là. Attention, hein. Il y a du sang crapaud par là. Faites attention à ne pas glisser. Très important. Ok. Quid mieux. C'est mieux ou pas? Pour le travail. Alors, premièrement, couleur rouge. Deuxièmement, et ça c'est probablement ce qui est une pire alerte pour moi, c'est ce foutu point de sauvegarde qui apparaît dans un coin et qui dit la sauvegarde est automatique, tu peux y aller, mais bien sûr, vas-y, c'est sauvegardé, oui, c'est sauvegardé, oui. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. La porte, elle a fermé derrière moi. J'ai une idée. Je vais brain le jeu. Yes. La porte, elle va pas pouvoir se fermer. Alors, regardez, il y a marqué interdit de jouer à Portal ici dans les coins. Ça ne peut pas fermer. Oh non, un cucu. Je vais pas mettre mon doigt dans cette lumière en ce moment. Oh, à peine! André! Là, je refais la même chose que l'autre fois. C'est... je suis accroupi et il y a le passage pour ouvrir. Hein? Si on veut vraiment traduire ça dans la vraie vie, je suis comme ça. André!
Oh, faites pas ça. Là, franchement, la mixture, là, c'est pas la même, quoi. Ils ont utilisé un autre genre de levure. Ça se voit, hein. C'était tout crapou noir. C'était tout viscouille. Visqueux. Mm-hmm. André. Excuse-moi. D'habitude, je vais cacher la souris. Hop là. Bonne chance à celui qui utilisera l'ordinateur. Je suis vraiment trop diabolique. C'est avoir trop joué à Evil Genius, ça m'a fait ressortir des choses mauvaises que j'avais à l'intérieur de moi. Est-ce que la zone grisée, ça veut dire « Oh là là, faut pas y aller !» Est-ce que la zone rayée veut dire ça? Qu'en pense mon verre d'eau? Ouais. Non, je voulais allumer la lumière, pardon. C'est quelqu'un qui se douche? Ah non, mais ça doit être inondé! Oh, c'est vachement un crapaud quand même. Mais là, c'est crapaud plus. Oh. Cuisinez pas. Si vous connaissez pas la recette de l'ortolan, ne la cuisinez pas. C'est la porte des enfers, ça. Mais comment tu veux? Mais comment tu veux être? Mais comment tu veux que ça rassure? Agent d'entretien, t'as l'avenir ici. Regarde, il y a une lumière rouge qui fait ouah ouah ouah. Il y a 4 lumières rouges. Il y a. Voilà, tu retires quelques points rouges au milieu, ça fait un pentacle satanique. Et t'as une sorte d'écriture là de Satan qui t'ouvre je sais pas quoi. Bah moi je suis quelqu'un de prévenant, vous savez quoi? Attention. L'enfer est peut-être pavé de bonnes intentions, mais il glisse. Ah, c'est bon, j'ai pas peur. Bah en fait si. Non parce que je m'approche et... Ouais. Mais tais-toi là. Voilà, j'ai moins peur maintenant. Merde. Mais même le bruit, même la porte qui s'ouvre, elle t'explique que tu dois transpirer de toute ton âme. Ton âme, elle découvre des niveaux de transpiration et est en train de se dire « Ah non, je suis désolé, je viens de perdre 8 kilos, je peux pas passer au purgatoire. » Mais même la porte des étoiles, elle est pas aussi flippante. Monsieur, vous faites du Krav Maga? Si vous êtes un monstre, attention, ne passez pas par là, c'est glissant. Je suis sûr que c'est un truc nul en plus, tu vois. C'est un ventilo ou un truc comme ça, on me l'a déjà fait sur Dead Space. Tu m'as pris pour qui là, wesh? C'est pas un ventilo. Dégueulasse. C'est le mot Krav Maga qui vous a énervé.
Monsieur le ventilo. J'ai dit, s'il te plaît. Prière de cesser de suinter. En fait, je t'ai caché derrière. J'étais comme ça. C'est quand même vachement mieux quand c'est éteint. Merci beaucoup. Je suis... Non. Allez. Prends ton temps, j'ai tout mon temps. En théorie, ok. Laisse-moi prendre 2 secondes un peu de café. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui est incroyable, ce que je trouve qui est vraiment incroyable, au-delà du fait que je pleure ma race, ce qui est incroyable, c'est d'avoir... d'avoir le sentiment de vastitude.
dans le jeu, c'est d'avoir l'impression que on peut aller partout, ou presque. Mais qu'on finit par atteindre un objectif. C'est qui suinte par là? Qu'il se dénonce. Ah, c'était un grand moment, hein. Franchement, ce que je viens de vivre, c'est... À titre personnel. C'est un grand moment de... Je présume... qu'il y a aussi des Roombas. Donc si vous voulez que le Roomba puisse faire son travail, pensez vraiment à bien mettre toutes les chaises sur la table. Et qui es-tu pour juger le Roomba? André! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas comme ça qu'on devient un papillon! Mais... Ça avait pas l'air méchant, si, bah vas-y. Un être humain. Rouge. Ok. Mais non, mec. Qu'est-ce que c'est? Le seul endroit rassurant. Je vais mettre ma tête dedans et disparaître. Il y a même pas de miroir. André! André! C'est qui les professionnels? Bonjour, je suis perdu. Aidez-moi au secours. Oh, j'ai besoin d'aide. Je suis coincé depuis des millénaires. Oh, vous êtes mon sauveur, s'il vous plaît. C'est tout pour moi. Retrouvez-moi tous les lundis, jeudis et vendredis de 19h30 à 1h du matin. J'aime pas trop ce que j'ai là. Je préfère les toilettes avec des yeux. Il va apparaître là? La théorie voudrait qu'il apparaisse là. C'est pas un bon plan, c'est pas un bon plan. Je suis là pour tous vous sauver. Vous avez besoin d'une agrafeuse? Non mais... Ça va aller. C'est psychologiquement trop insane. Hein. Et là, il y a rien, mais il va se passer un truc. Can we
we do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the WoW to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Katosh! Just let it out. Let it all out. Elle était au courant. Paix à son âme. Passez, si vous prenez feu, hein. De rien. Horrible. Ouais. Oh là là. C'est horrible. Mais non, mais... C'est peu psychologiquement compliqué, hein. Says we could try again when things calm down. You gotta do it, you know. You got to. C'est horrible. C'est sa respiration qui est comme ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi, ça me trigger, le fait qu'il soit toujours en vie à cause du wow. Ça les maintient en vie par-dessus toute raison, toute... Un mélange entre organisme et métallique, quoi. Un truc dans sa main. Bah... ce qu'il a dans sa main, c'est... Ah ouais. Bien vu. Mais c'est Katosh! Ouais, c'est la photo du groupe. C'est suspect, mais depuis la première fois qu'on a vu. La première fois qu'on a vu Katosh, on s'est dit, oh là là. Katosh, pas Netosh, hein. Ah non, non. Non, je dois pas repartir par l'autre côté, non. Non. Ok. Mais bah, le wow. Ah bah oui, mais il doit me dire parce que j'ai utilisé un peu le wow pour être ce que je suis, devenir ce que je suis devenu et tout ça. Je peux pas donc passer par là. Je dois trouver un autre passage. Ok.
Les endroits où je sais pas aller, hein. Les endroits où je sais pas aller. Hein. Là par exemple. Ah non, oh non, on va descendre encore plus bas. Je mets même passage. Il n'y a pas de bruit trop horrible. Enfin, moins que d'habitude. Bon, là, il y a des boutons, il n'y a rien à faire ici. Oh non, bah, je me trouvais devant. C'est plus clair. Tu peux me dire, je peux m'asseoir ici? Oh non. Oh oh. Est-ce que c'est moi la cargaison? Est-ce que je dois y mettre... Quoi? Ah mais je le sens mal! Ah je le sens... Poids 20 kg, charge utile. Non, je fais pas... Je fais pas... Je vous assure, je fais pas 20 kg. Il est où Cyberbibou? Ah ouais, Katoche. Katoche. Ok. Qu'est-ce qu'on peut amener? Non, on peut pas aller là-dedans. Oh! Ah, il y a un truc à mettre là-haut, peut-être, à redescendre, mais attends. Je le sens venir. Que l'ascenseur, il monte là-haut. Monter en haut, bien sûr, évidemment, formule très connue de la langue française majestueuse. Il faut mettre un truc dedans et le faire redescendre. Genre aller chercher l'un des corps là-haut. Ouais, je le sens grave comme ça. Je sens qu'il faut... Qu'il s'ouvre ici, là. Voilà. Oh! Il faut, si ça se trouve, mettre un corps. On vient de là, hein. Et on vient de là. Un corps fait plus de 20 kg. Alors, un corps fait plus de 20 kg, ça, je suis d'accord avec toi. Mais t'as vu le type de corps qu'on se tape là-bas ou pas, hein? Des corps, c'est pas vraiment des corps, hein. Oh, et oh, et oh, une salle de commande. Bonjour. Au revoir. Je suis un robot, je n'ai pas besoin de chaise. janvier. Dommage structurel mineur, radio hors service. 17 janvier, communication rétablie, Omicron et le reste de Pathos 2 vont bien. 3 avril, radio 1 intercite en panne, les sondes Lumar n'émettent toujours pas. Préparation urgente requise. Ne peut pas récupérer le climber tant que la liaison n'est pas rétablie. 11 avril,
Visite de l'IMS, Wolfsheik, Dahl, Hollande. Système de visite bi-hebdomadaire établi jusqu'à ce que les communications soient à 100% rétablies. 13 septembre. Évacuation de taux ordonnée. Nous partons tous pour Micron. 15 septembre. Afflux de monstres et pas de radio. Nous sommes fichus. 25 septembre. Anniversaire de Maillard. Tout va bien, nous avons réparé l'Omnicron. C'est la fête et tout le monde mange des cookies. Oh ! Finalement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer du coup ? Yes. Tout est hors ligne. Sauf... Ok. Ah, serrure des portes. Il y a une serrure qui est bloquée, c'est celle de la grande pièce, c'est celle-là. Ah, il nous faut un code. Ah, mais le code, si ça se trouve, il doit être sur l'un des corps. De cette pièce. Là, c'est déverrouillé. Ok, mais là, il faut un code. Donc ça, c'est ok. Là, il faut un code. Qui doit être... Qui doit être sur un corps. Peut-être même sur un badge. Je trouve le code, il est là, en fait. On a débrouillé ça. Ok. On sort, on est là. On passe ici. Ok. Vendredi plutôt cool. Je pense que j'ai fait mon sport. En ce moment, je fais, je suis repassé un peu à, j'ai fait au-delà de, voilà. Puis en plus, je me suis permis d'arroser mes plantes. Ça s'est vraiment bien passé. Que je profitais de la pluie. Avant qu'il grêle, j'ai mis un peu sous la pluie. C'était bien. Go ahead. Make yourself at home. Ok. C'est l'un des premiers êtres humains. Nice suit. Used to have one just j'avais like la même autrefois. Mais non, mais. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met? Peut-être. You mean I'm the last living vivant, human vivante, c'est vite dit, hein. I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly c'est le seul PNJ de to tous les jeux que j'ai vu qui dit je vais vous tout vous dire maintenant. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? Non, mais arrêtez avec ça! Good one.
can't believe I'm the last one. It's crazy. I'm glad you came by. Good to get this over with. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a razor. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Je veux pas te tuer. If I knew you'd come, I would have cleaned this place up a little bit. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know? None of this feels right. Simon, I want to die. Sarah, just think about it. Good luck, Simon. Don't let me down. Knock it out of the park. Don't let me down. Go ahead. Go save humanity. What's left of it. Bon, vrai, 4 conscients. Je veux pas la tuer. J'aimerais plutôt la congeler pour que dans 100 ans, lorsque nous sommes tous des robots, nous puissions analyser les restes de ces entrailles en les découpant morceau par morceau. Ou alors... Regardez ce qu'ils ont fait dans Alien 4. À Sigourney Weaver, elle s'en sort. Imaginons. Avec toute la technologie qu'on a. On la met en stase. Réfléchissez. Un vrai raisonnement. Un vrai raisonnement. On la met en stase. On fait des recherches pendant des années. On cherche à soit la cloner, soit sauvegarder son génome, son héritage génétique. Elle a une responsabilité autant que nous. Elle a le libre arbitre, mais elle a aussi cette responsabilité. Si on la tue, c'est irréversible. Si on la met en stase, on peut trouver une solution. À ce moment-là précis, alors qu'il ne reste que quelques secondes pour voir ce que, ensemble, on choisit. Je ne suis pas d'accord avec vous. La majorité l'emporte pour lui donner la mort. Je ne suis pas d'accord. Je suis pour l'espoir par-delà le rationnel. Mais je vais m'exécuter. L'exécuter. Est-ce que tu as un truc à dire? Would you stay with me, please? Oui. It won't be long now. Just, please, just stay. Oui. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Wish I could have died at home with my friends. You ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way.
I liked Paphos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you're still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there. To the stars. Mieux que Marion Gauthier, en tout cas. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Mais c'est terrible, c'est terrible. Ok. C'est elle, non? Tous ses amis. Katoche. Est-ce que c'est la Katoche? Est-ce que c'est Katoche qu'on voit à l'intro là de Soma? Provisions d'urgence, liste exhaustive des produits chimiques et composés courants disponibles à Pathos de qui pourraient vous maintenir en vie en situation d'urgence. Ça a des nouvelles, donc c'est elle. Manuel expliquant comment nourrir par voie intraveineuse. C'est comment la maintenir en vie en fait. Ok. Je pense que ce matériel. Climb a ladder while carrying the arc like this. Je peux pas descendre avec ça. Ah ok, ça y est, j'ai compris. Ok. Je vais mettre ça ici. Je vais le descendre. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est quelque chose de réaliste. Ouais. Quelque chose de profondément triste et réaliste. Tout cela nous confirme une chose. C'est que la mission prévaut sur le reste. Nous n'avons pas fait tout ce que nous avons fait. Pour nous retrouver incompétents. La salle ouverte, en effet. Qui était là, il me semble que c'est celle-là. J'espérais voir Omicron aujourd'hui. L'évacuation ordonnée par Theta était une aubaine. Un prétexte pour quitter Alpha et abandonner le WoW. Mais alors que la tempête se calmait, on s'est retrouvés encerclés par des monstres créés par le WoW. Ils nous ont tendu une embuscade et nous ont obligés à nous replier vers Tau. Glaceur, Kovski, Coetzee et moi avons survécu. Mais Auclair est à l'infirmerie dans un état critique. Coetzee a décidé de partir à la recherche de nourriture en zone d'observation. Impossible de sortir, c'est trop dangereux. Autant que de sortir acheter des cigarettes en plein ouragan. Elle est revenue avec quelques miettes. On savait tous qu'il n'y avait rien. Je crois qu'elle voulait juste avoir une chance de mourir sans en porter la responsabilité. Des gens du plateau sont venus. Des ingénieurs de Theta qui voulaient utiliser le canon spatial Omega pour lancer quelque chose qu'ils appelaient l'arc
C'est un monde artificiel qui transporte les scans cérébraux d'employés de Pathos 2. L'idée est folle, mais intéressante. Nous avons tous accepté de faire un scan afin de pouvoir faire partie de cette... au-delà. Quelques ingénieurs de FI sont revenus. Apparemment, ils ont retardé le lancement de l'arc. Ils étaient tous d'humeur massacrante et refusaient de répondre franchement à nos questions. À l'exception d'un point très important, ils voulaient tous rester à Tau pour en savoir plus sur le projet ARC. Mais ils avaient prévu de remonter avec le Climber dès demain. Il fallait que quelqu'un prenne le Climber pour prévenir Omicron de ce qui se passe. Heureusement, Glaceur et moi sommes en mesure d'accomplir cette mission. Je vais enfin pouvoir prévenir Dal et Sarang de la situation critique du site Alpha. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going, but it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. C'est la nouvelle forme de vie. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Terrible. Tout vient de là. Oh là là, vous voyez avec les petits fragments. Oh là là. C'est fascinant, mais oui, je te rejoins totalement. Il y a comme une volonté de rendre réel tout ça. Ok. C'est donc comme ça que pensent les femmes. J'en étais sûr. J'en étais sûr. C'est la version simplifiée. Bon. Voilà. Très bien. Bon, du coup on va redescendre. Capacité à tout balancer par terre. Merci beaucoup. Alors config. Non.
Ok, mais laissez-moi sortir quand même. Maman ? André ? Ah, yes. Non, pas yes. Oh non, double paillesse. Manu. Séquence interrompue, stabiliser la pression. Mais si, ça va bien se passer. Ça ne peut que bien se... Non plus. Ah, ouais. J'ai réglé le problème! Problème réglé? Je peux pas passer là. Ah si. Je peux peut-être. Yes. Bouclier. Un concert de Nightwish sous l'eau. Rouge, oh. C'était gratuit? Ah non, concert de Nightwish, c'est certainement pas gratuit. Hein. Il y a quoi au-dessus de... C'est pas une mauvaise idée. Ou c'est une très mauvaise idée. Ça me fait penser un peu à... 128 heures, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Le gars qui s'est coincé le bras dans un canyon. Ok. C'est fou parce que même les tuyaux et tout, ils sont genre en mode... ...128 heures et descente, ça me fait vraiment penser à ça. C'est chaud à 100 degrés, c'est pas impossible en effet, hein.
je veux dire, sous les émanations de chaleur de cette nature-là. Mais je rappelle qu'on est dans une combinaison de résistance, quoi. C'est incroyablement immersif. Yanko, pas la couleur. C'est pas vraiment rouge. Bah comme c'est là-bas que tout a mal tourné, du coup on va aller. Oh, on va aller ailleurs. Ah. Mais qui est dur. Aïe aïe aïe. L'origine, le point d'origine, la source. La source. C'est incroyablement bien foutu. L'alpha et l'oméga. Le sel et le poivre. Le ketchup et la moutarde. Le pain au chocolat et le pain au raisin. La pizza et l'ananas. André! Ah pardon, excusez-moi. Bon André, là, là, là! Cet endroit... Cet endroit n'inspire rien de bon. C'est quoi? Genre tous les 2 mètres, tu peux dire ça en fait, hein. C'est quelqu'un là? C'est quelqu'un? C'est quelqu'un là? Non. Ou c'est un genre de quelqu'un? Enfin, quand je dis un genre, c'est, je veux pas stigmatiser bien sûr une partie de la population sous prétexte qu'ils sont des cadavres. Enfin, bonjour à tous les gens polis, quant aux autres, grattez-vous. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Et le gars était un peu trop ambitieux pour attraper cette crevette. Hein. Un JDR dans l'univers de Soma, ça me chauffe. Pour le coup, ça me chauffe. Sauf que ça m'apparaît beaucoup comme étant un univers à révélation. Mais ça reste un défi, hein. J'ai bien relevé le défi de faire un JDR sur Fosco, hein, donc. Ok. Ce qui est assez incroyable, c'est que malgré tout ça, ce qui est incroyable, c'est que vraiment les lieux ne se ont parfois l'air de se ressembler, mais sont pas rébarbatif ni trop ressemblant. Les structures, même la manière de penser le lieu n'est pas la même. Yanko, qu'est-ce que c'est? Son délire. Oh, mais non, mais regardez. On dirait des. C'est ce qu'on appelle le cocooning, donc, c'est ça? On est tout prêt et je le sens aussi. Just tell me what you want. I need you to. Wow. What? How?
What are you talking about? As soon as I came to, Omicron, I tried to tell them to make the toxin that would make the WoW wither. But they didn't understand. They put it inside my cabinet and it was so infuriating. They needed to take it to Alpha, the fountainhead of the misery we created. And then the girl, she figured it out. She was going to take care of it, but the WoW shrieked. Venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake, Simon. Now strike at the heart. Mais il va pas vouloir. On est au cœur du WoW. On est un peu chez la reine alien là. Non mais c'est incroyable. Hein. Je suis subjugué par le. Ok. C'est bien rangé. C'est jaune, ça veut dire que c'est ok. Hein, on est d'accord. Méchant. Là. Méchant. Boss Satan. C'est donc ça le WoW Effect, hein. Je suis sûr que cette blague est inédite. Je l'ai jamais entendu en parler à l'Elysée. Jamais. C'est le WoW World. This is WoW World. Hein? Ceux qui reconnaissent. Je ferme la porte, du coup le WoW est condamné, non? Oh non. Il y a un monsieur. Ok, allez-y, go. What the hell is that? The heart. It controls all the structure gel on Pathos 2. Okay. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pathos 2, killing it. Feed it, Simon. Push your arm into the heart. Est-ce que c'est pas moi qui a condamné l'humanité? Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation derrière? You can't leave. We're not done. Je le sens pas bien, je le sens pas bien. Je vous jure, je le sens pas bien. Une voix dans ma tête là qui me parle et qui me dit « Fais ceci, parce que sinon... » Ah ben, le dernier qui a dit « Do it !» Ça s'est pas super bien passé. Take it easy. Oui, calme ta joie, ouais, laisse-moi réfléchir. Et là... Le choix. Force your arm inside it. Back off, okay? Please, Simon. Déjà, qui était en train de me parler? Faut réfléchir. Le professeur Sarah là, qu'on a condamné à mort. Back off, okay? Qui nous a dit achève-moi.
Elle a dit de guider les gens vers l'arc. Ça sent le piège. Hein. Pour. J'ai rien comme pour, en fait. Hein. Le wow, de toute façon. Le wow, ce qu'il a fait, moi je vais me tuer en faisant ça, hein, je pense. Hein. Voilà, c'est ça, moi je pense que j'étais en contact avec le wow, contre... La mission c'est l'arc, pas le wow. Hein. J'ai un vrai argument, qui n'a pas été cité dans le chat. J'ai un vrai argument. Pourquoi est-ce qu'on m'apprend maintenant devant le fait accompli que je suis la solution? Pourquoi est-ce qu'on m'a pas prévenu avant qu'il fallait faire ça? Pourquoi est-ce que on a fait en sorte à ce que je me retrouve là? On m'a manipulé et on m'a dit après coup, en me mettant devant le fait accompli, que finalement j'étais la solution. Si je suis la solution, si depuis le début tout ça était possible, pourquoi est-ce qu'on attend maintenant pour me le dire, sous la pression, en me mettant dans un endroit où en effet ça semble tellement odieux et tellement horrible que je serai la solution, en m'expliquant à ce moment-là précis que si je le fais pas, tout est foutu. Alors que ça aurait pu être expliqué dès le début. Alors que celle qui est morte, elle, qui savait tout condamner, elle n'a pas hésité. Tous ceux qui ont été condamnés, tous ceux qui étaient morts, n'ont pas hésité à expliquer les choses, à nous dire la raison pour laquelle on fait cette démarche-là, la raison pour laquelle on avance, la raison qui nous motive, la raison qui nous pousse à essayer de faire les choses pour sauver qui de droit, pour cloner qui de droit, pour donner une chance à qui de droit. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui est une... Non, l'argument, le contre-argument de dire que c'est une abomination, c'est pas forcément une abomination. Le wow a permis de... nous a permis d'entreprendre des projets et d'arriver là. L'arc est la priorité. On doit composer avec les chances qui sont les nôtres. Détruire à l'infini n'est pas la solution. Comprendre, accepter et adapter. Qui me menace? Personne ne me menace. Et je l'accepte. Cette planète t'appartient. Oh mince. Ok. La lumière. Non. Watcha.
en a des choses à mâcher, hein. Ok. Non, 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 s'il te plaît, non. Le regarde pas, le regarde pas, le regarde pas. Ok, merci. Allez, je peux le faire. Il m'a confirmé. Juste, je vous le dis, parce que vous ne le voyez pas. Mais il y avait écrit, succès déverrouillé, votre plus court chemin vers les étoiles. Je vous laisse en déduire à ce stade ce que vous voulez. Je suis blessé, il y a quelque chose qui me fait dire qu'on a fait le bon choix. Au fond de moi, je me dis que j'ai fait le bon choix. Pour la simple et bonne raison que il m'a réentraîné devant le wow. Il m'a réentraîné en me disant, en essayant de me forcer, en essayant de me dire fais-le et tu n'as pas le choix. Il m'a imposé le truc et il me l'a imposé même au dernier moment sous la pression. Il m'a caché ça. Il y a quelque chose qui me dit que j'ai fait le bon choix. Quand j'ai mis la main dans la lumière, j'étais soigné. Le wow est une forme de vie, c'est pas... Sa conscience n'est pas faite pour détruire. Il n'est pas créé, il n'existe pas pour détruire. Quelque chose au fond de moi me fait dire qu'on a fait le bon choix. Quelqu'un qui me dit de détruire, quelqu'un qui me dit que je n'ai pas le choix, qu'il faut faire quelque chose pour sauver et pour sauver, il faut détruire. On a deux poids deux mesures avec le professeur, le dernier être humain qui m'a dit qu'elle voulait mourir mais qu'elle avait l'espoir que je sauve les gens. Catherine. Can you hear me? I hear you. This is Vi. What happened to Tab? A lot, actually. But we're back on schedule now. Did you find the Ark? I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Vi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. All right. Vi is up and running. Did you find out what happened to the Ark team? Not really. For some reason, they didn't go through with the launch, so they took the Ark back to Tau. I hope everything's okay with the space gun. Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. Dernier voyage. Avons-nous fait le bon choix? Je propose This feels like the longest day of my life. De déranger pour la dernière fois I have no idea. Un lieu sur Terre.
Our time together is a ce sera mon héritage. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m. But I don't remember when we started. Comme ça, le WoW, quand il viendra prendre possession de cet endroit, il dira « Ah, il est passé par ici, ça se voit. » Oh, il y a peut-être des infos dessus, non? You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Simon sounds était like là. Real. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Who am I? Je vais mettre là. Qui suis-je? Ok. Il vient de là. Est-ce que tout le monde est prêt? It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Avant la comète, yeah. Je suppose que ça allait. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. Il y a une forme de nostalgie. Il y a vraiment une forme de nostalgie là-dessus. Regardez, là. What will you do when you get into the Ark? What's the first thing? Vous savez quoi? J'hésite de mettre ma main là-dedans. Je pressens ça comme un piège. What's the first human thing you're gonna do? Je le vis comme un piège maintenant, ça. Est-ce que le poison que j'ai va le détruire? Si je suis empoisonné en venant ici, est-ce que c'est un coup de Trafalgar? Mais non, ça nous éclate les yeux. Mais non, mais moi, je vais pas me dire. Oh là là! Ça pique les yeux, donc prenons le risque d'empoisonner toute la planète. Parce que quand même... Hein? Bon, si on n'y voit pas très très clair... C'est quand même chaud. Je vous propose de détruire le monde. Oh. Pardon ? C'est Katosh ? Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something! I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We needed to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark! I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm Elle était pas si... Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Oh God. Catherine. Did you say something? It's non, you. Rien. You had an accident. What are you? Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought I might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident.
They were just trying to stop you from launching. Depuis le début, on était du même côté. Vous savez, ce moment-là, on ressent de la culpabilité. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Ce moment où on culpabilise, où on se dit qu'elle avait le même combat, quoi. Elle avait le même combat, on faisait les mêmes... Jesse, Sean, Kevin. Tout c'était contre elle. Like a real one, someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. Elle qui est en décomposition, qui est avec les mouches. It's about hope. Vous savez, là où j'aurais le seum, c'est que si par exemple l'arc démarre et que le truc qui l'en empêche, c'est le wow. Si c'est ça qui arrive, je serais peut-être un peu salé. Ou à l'inverse, le wow va l'aider. On ne sait pas. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. Right. I'll go pick it up. Non, c'est bon, on a déjà vu, c'est déjà horrible. Ça, c'est ok. C'est pas moi! Ok. On va fonctionner. Si le WoW fusionne avec l'arc. Si le WoW fusionne avec l'arc. Mais ouais, complètement. Bon, j'ai l'impression que pour activer ça, il faut que je mette ma main dedans. Tu as le choix là. Ok. Non, bon. J'ai pas détruit la planète. Elle était déterminée, c'est ça, exactement. Elle était louche de chez louche, mais elle était déterminée. Ok, il faut mettre la batterie ici d'abord. Peut-être pour amener un truc. Ça va pour les gens qui ont moins mal aux yeux du coup? Est-ce que ça va mieux? Là, du coup, je peux pas pousser ça, je peux pas déplacer ça. On va récupérer ça et on va vous mettre là-bas. Il y a deux endroits où il faut mettre la batterie. Là-bas, on la récupère ici. Donc, on va le mettre ici dans un coin. Ok. Ok. Voilà. Là, la batterie. Pas de place. Parce que le wow a pris sa place. Voilà. On revient à peu près à la configuration. Bon travail, Simon. Take it to the assembly space and load the bullet. On est allé aussi loin qu'on pouvait. Quel que soit nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais, il n'y en a pas de bons ou mauvais. Il n'y en a pas. Bon, on accepte en notre âme et conscience. J'ai beaucoup de peine pour Katosh. C'est très bizarre comme sensation, c'est très bizarre comme émotion parce que... Je me suis tellement méfié, j'ai tellement eu de... J'ai tellement eu d'appréhension avec tout ce qu'elle nous disait, mais elle était totalement investie dans ses choix, investie dans sa démarche.
C'est très bien écrit. Très très bien écrit. Je suis désolé, je suis vraiment désolé pour elle. Ah mais ça c'est le sautage de l'humanité à la... All systems say go. Lock and load. Combat gun will head after the gun. Avons-nous condamné l'humanité? Et merci à tous ceux qui ont utilisé leur Twitch Prime pour financer cette fusée. C'est bon, on a gagné! Avec une seule batterie, genre, j'ai l'impression d'être retourné avec à l'époque Nokia, tiens. On a une batterie pour 1000 personnes. Tous ces bits, tous ces shields pour en arriver là. Ok. Moi je veux que mon local de... soit rafraîchi de la même manière. Ok, ça c'est ok. Ça c'est ok. Ça c'est ok, il y a une caisse ici. Ça c'est ok. Est-ce qu'il faut remonter? Je suis pas sûr, hein. Je crois qu'on est descendu. Je vais essayer de me souvenir. Faut pédaler. Faut pousser le truc. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est si, on a foutu le bordel. Il faut récupérer. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. Elle va rester ici. It's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omni tool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. J'appréhende énormément. Qu'est-ce que c'est? A satellite is loaded into a shell. The shell is accelerated by electromagnets along the barrel. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before ingression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Okay. Ok. Visite de Herbert, ouais. Regardez. Tous ceux qui se sont retournés contre elle. Propriétaire. Après 10 ans de service irréprochable, le canon spatial Omega va s'arrêter, mais il suffit. Il aura fallu une apocalypse pour venir à bout. Ok. Avant de partir dans l'espace, j'aimerais prendre avec moi cette chaise à roulettes. En souvenir de la planète Terre. Comme ça, on me dira comment ça se passait sur Terre. Et moi je dirais tout roule. Tu seras ma nouvelle catoche. Oh. Quoi?
tu respires encore? J'ai l'impression d'avoir noyé la chaise. Ça vous rappelle rien, cette chaise? C'est majestueux. Toujours les mêmes chaises. On a mis l'obus, on a mis tout là. Et pour le faire dégager de la planète, pour le faire... arracher l'attraction terrestre. Bon, on est au fond de l'océan, au fond de l'océan. J'ai l'impression au final que le wow, c'est juste secondaire. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et que la personnification qui a voulu nous empêcher, c'est lié à ceux qui ont essayé d'empêcher Katosh d'aller au bout de ses rêves. Oh. I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Comfortable? As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Whoa, 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 whoa. Okay. Okay, ça c'est moi. Ouais, faut que j'aille là. Okay, zoom. Zoom. Oh là 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 là. J'ai réussi à pivoter. There we go. Qu'est-ce qui se passe? Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Pourquoi je me méfie encore à ce moment-là? What are you waiting for? Just bracing myself. Well, push the button when you're done. No turning back. Thank you, Simon. Don't mess. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. I thought you guys would have better bandwidth in the future. Pardon? 8 7 6 5 4 3 2 Yes! Fuck yeah! We made it! Woo! Non. Still here. Bah oui, je suis toujours là parce que il y a une copie. Still here. Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. Ah oui, c'est logique. We were getting on the Ark, I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here?
Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. No, 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 no. Fuck this! Fuck! Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine! You lied! And I believed in you, and I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! Fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Aucun regret. Je ne regrette absolument pas ce choix. Totalement assumé. J'ai laissé une chance. C'est logique. C'est logique. J'ai laissé une chance à l'autre Simon, même s'il était ensommeillé. Je l'ai pas tué. C'est pas pour que je vive mal, moi, ça. Ce qui devait être continué, continue. Ce qui doit être préservé, continue d'être préservé. Ce qui doit être construit maintenant, le sera. Et s'il faut que je sois seul 1000 ans pour reconstruire, 2000 ans. Pardon. Wow. Is this? Did it work? Incroyable. Non. Est-ce que c'est dans mon esprit? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que le waouh va nous rattraper? C'est un rêve? Est-ce que c'est le rêve de... Quelqu'un d'autre ?
Catherine? Katoche? Katounette? Bernard? Incroyable, la lavande. Nature. Michel? Régis? Robert Ménard? Rapport d'étalonnage 0. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez réussi à accéder à l'arc. Cette enquête a pour but de permettre aux développeurs de mieux comprendre votre expérience subjective afin d'améliorer votre bien-être. Comment décrivez-vous votre condition physique? Je me sens normal. Comment décrivez-vous votre état? Je me sens déconnecté, je me sens différent. Je me sens normal. Comment décrivez-vous vos sens? Je suis plus sensible à ce qui m'entoure. Mais c'est émotionnel. C'est l'émotionnel qui me fait me sentir plus sensible à ce qui m'entoure. Donc, est-ce que je dois parler à titre d'émotionnel? Je dirais que c'est normal. Si on parle de sens stricto sensu au sens génétique. Sens naturel. Donc on parle pas d'émotionnel. Comment décrivez-vous ce que vous ressentez dans votre nouvel état? C'est agréable. Le fait de ne plus être complètement humain ne vous perturbe-t-il pas? Non, je me sens bien. J'ai assumé tous les choix. Tout était réfléchi, tout était accepté. Il y a un ou deux regrets, mais tout était ok. Ma forme importe peu. Ce qui compte, c'est que je sois toujours là. Je pouvais être dans un thermomix que... Je me sens bien, mais... Je me sens pas bien parce que je suis... humain, je me sens bien parce que je suis là, en fait. J'ai pas perdu une partie de moi-même. Comment percevez-vous votre nouvelle existence? Comme un nouveau chapitre de ma vie? C'est pas une naissance, c'est un nouveau chapitre. J'hésite entre la 1 et la 2. Comment percevez-vous votre nouvelle existence? Imagine que t'es un blob pas ouf. Rendez-vous mercredi soir et on en discutera, tu changeras d'avis. C'est un nouveau chapitre, je dirais. Vraiment. Après, le prolongement direct voudrait dire que ça a un lien avec le direct. Donc... C'est un nouveau chapitre, bien sûr. D'après vous, cette nouvelle vie vaut-elle la peine? Bien sûr. Bien sûr. Si l'enfer s'ouvrait maintenant à ma porte sur l'arc, et que j'étais armé d'un couteau entre les dents, je foncerais dans le tas. Parce qu'il faut vivre et se sentir vivant. Préférez-vous vous retirer du projet accepter la mort? Non. Non, 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 on se bat, non. Non, on se bat au-delà de la raison. Merci d'avoir participé à l'équipe de l'arc. De rien, est-ce que j'ai droit à des réductions au rayon pâtisserie? Pour des éclairs au chocolat, mais aussi un fraisier, une tarte au citron, bande de rade.
après tout ce que j'ai fait pour vous. Tout est magnifique. Je m'attends à avoir une vue sur l'espace, un peu à la Dark City. Ah non, je vais pas spoiler, bon, c'est votre faute, mais s'il y a prescription. Mais comment c'est magnifique. Je m'attends vraiment à avoir une vue sur le vide. Qu'est-ce qui brille là? C'est pas le soleil, c'est pas le soleil. J'ai vu un truc à l'horizon. Qu'est-ce que c'est? Catherine? Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Je m'attendais pas à ce genre de jeu d'horreur. C'est un jeu... En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que l'horreur valse avec l'espoir et que il y a beaucoup de sentiments contraires qui sont pas compatibles parce que ce genre de jeu fait peur pour faire peur, fait vibrer pour faire vibrer. Là, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Je suis en accord avec tout ce qui a été fait. Je n'ai... Le résultat de ce que j'ai pu observer ne me déçoit pas par rapport au choix. La créativité et l'imagination peuvent toujours émerger dans l'arc. Oui, sauver la Terre, en effet, ils ont... Ils sont dématérialisés, ils sont dans un endroit parfait. Et le Simon 2.0, ce qu'il vit mal, c'est l'idée qui se fait de la souffrance. Pas ce qu'il lui reste à accomplir. Sachant que tu restes sur le choix de tuer la femme. Je ne regrette pas d'avoir accepté le choix commun de le faire. Mais si ça ne dépendait que de moi, je ne l'aurais pas fait. De manière, encore une fois, extrêmement déraisonnable, l'espoir existe.
Oui, puis en plus de ça, Simon 3.0 se retrouve dans un endroit où, où le chômage n'existe pas, il n'y a rien à faire. Celui des trois qui va s'emmerder, c'est lui. Au moins, Simon 2.0, il a du taf. Hein. Et je suis quelque part heureux pour Katosh, en fait. Je suis heureux pour Katosh. C'est probablement de tous les individus dématérialisés, tués, assassinés, contre lesquels on a conspiré, trahi. C'est la personne la plus droite. Hein. Elle lui a dit. Mais rétablir l'humanité, oui et non, ça passe aussi par sauver l'humanité. Sauver l'humanité, c'est sauver le savoir, sauver le apporter tous les éléments, toute l'accumulation de connaissances, les mettre en un endroit qui pourrait perdurer. C'est un genre d'héritage. Et c'est ça, il n'a pas voulu le comprendre, il n'a pas voulu l'accepter. L'arc, est, en effet, c'est strictement une fin un peu amère. C'est une illusion, c'est un programme. C'est de la data. L'arc, c'est uniquement de la data. Et avoir la vision de la Terre, ouais, c'était vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Ou alors, juste simplement, c'était peut-être juste notre temps. Notre temps est révolu, en fait. La question qui demeure, c'est... Qui voulait que je détruise le WoW? Est-ce que... qui a voulu aller aussi loin? Pourquoi détruire, en fait? Ouais, il y a un goût de prison, mais pourquoi? Quels sont les moyens? Quels sont les impacts? Quelles sont les possibilités de faire levier dessus? Le WoW pourrait être une suite... Le WoW est une forme d'humanité, ça pourrait... être la solution. Simon 2 retourne dans la station, reconnecte Simon 1, ils se font check, cul à cul, dos à dos, ils vont nettoyer les stations, ils redonnent vie à la station, ils vont sauver ce qu'il y a à sauver, et ils recontactent l'arc. Maintenant, l'arc est lancé, ils peuvent le recontacter de là où ils sont, ils ont des moyens de contacter. Oui, il y a de l'espoir, je veux dire que La fameuse comète, la ceci, la cela, ce sont des choses qui ne dépendaient pas de nous. Je trouve qu'on a obtenu les meilleures fins. Après, c'est émaillé, évidemment, de teintes grisâtres. Mais à mon sens, du moins de la manière dont je le ressens, il y a les meilleures choses qui ont été obtenues, les meilleurs résultats. Quand bien même... Simon 2 est salé, il est salé, il a réagi comme ça de manière extrêmement naturelle et ça se comprend. Il réagit comme ça parce que une partie de lui voulait ne plus être là en fait. Pour un petit gars de Toronto, en tout cas merci à vous de m'avoir suivi là-dessus. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné pendant la découverte de Soma. Je trouvais que c'était super, vraiment.